Bonjour, donc je suis Magali Julien, directrice de l'Intervalle, scène de territoire pour la danse. Et donc je vais vous parler de l'Oda Marie que nous avons accompagnée en coproduction et en accueil en résidence. Il y a maintenant 3 ans de ça, nous avons pris la décision d'accueillir la compagnie de Nadine Beaulieu. Et du coup, de proposer aussi plusieurs déclinaisons autour de cet accueil. Un atelier avec un groupe amateur qui s'appelle Groupe en Mouvement. Une exposition à la médiathèque autour du Caravage, du photographe François Rio. Et vu la thématique qui est portée dans l'Oda Marie, puisque l'Oda Marie, c'est un portrait dansé d'une magnifique interprète qui s'appelle Marie Douaret. Et à travers elle, un peu un ode à toutes les femmes. Et que Nadine, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, tu t'es inspirée de plein de tableaux de toutes les époques. Et du coup, dans le cas de Waterproof, on est allé rencontrer un autre des partenaires qui est le directeur du musée des Beaux-Arts de Rennes, Jean Roch, qui t'a fait la proposition d'une déambulation dans le musée. Et oui, alors en effet, l'Oda Marie s'inspire des tableaux. On travaille sur la représentation de la figure féminine depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et en effet, donc tout de suite, dans le cadre du festival Waterproof, on nous a proposé de faire une déambulation au musée. Pas de chance, Covid. Et donc, on a transformé l'essai et on en a fait. On est parti des tableaux, d'où le nom du projet Sortir du cadre. On les a fait sortir du cadre et on a remplacé la déambulation par des tournages vidéo. De films. Et donc, on a réalisé un ensemble de vignettes vidéo, de vidéos danse qui seront programmées, enfin qui seront diffusées sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et ensuite, qui seront rassemblées dans un montage, ouais. Et qui seront visibles au Musée des Beaux-Arts pendant le festival Waterproof. 29 janvier. Voilà. Au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Le lendemain de l'Oda Marie à l'Intervalle. Voilà. Voilà. Vous êtes les bienvenus et à l'Intervalle. Et au Musée des Beaux-Arts et à Waterproof.